Coucou à tous, c'est Crime. Aujourd'hui, on se retrouve dans un live un petit peu différent parce que pour une fois, il ne sera pas question des Sims, il sera question de Don't Starve. Donc, Don't Starve, c'est quoi? C'est un jeu de survie où vous incarnez un petit personnage qui se retrouve dans un monde assez hostile. Et le but, voilà, ça va être de trouver à manger dans un premier temps, d'établir un camp dans un deuxième temps et surtout de survivre. Donc, on va essayer. Donc, je suis plutôt mauvaise à ce jeu. Mon record personnel ridicule se monte à 23 jours. Hein. J'ai tenu jusqu'à l'arrivée de l'hiver et puis je me suis fait tuer par des abeilles tueuses. Voilà. Donc, en général, je meurs assez vite parce que je suis pas très prudente comme fille. Je suis pas très patiente. Et en général, je me dis, vas-y, ça passe. Et en vrai, ça passe pas. Donc on va essayer de faire ça bien et d'essayer de survivre un maximum. Ce serait dommage que ce live ne dure que 5 minutes parce que je meurs à la première nuit. Donc allez, on est parti, on recommence. Hop, nouvelle partie, commencez. Allez. Donc, comme je l'ai dit, la première étape, ça va être de trouver à manger et de chercher en même temps un endroit où poser son camp. Donc, voilà, ça c'est mon personnage. Ça, je sais pas qui c'est, mais il est là à chaque début de partie. Voilà, c'est gentil, j'avais prévu de trouver à manger, je te remercie. Donc, première chose, déjà, cueillir des fleurs parce que vous avez là trois indicateurs, donc c'est la faim. La santé mentale et puis la santé tout court. Et quand un de ces trois arrive à zéro, c'est mauvais signe. Et ramasser des fleurs permet de se créer une couronne de fleurs qui permet après, dans un deuxième temps, de faire baisser moins vite la santé mentale. Donc je ramasse tout ce qui traîne pour pouvoir me créer un feu pour cette nuit et en même temps à manger des carottes, des fleurs, des pousses, voilà, tout ce qui passe. Voilà, dans un premier temps vraiment alors en fait pour poser mon camp je cherche un endroit bien précis, je cherche un biome en fait où il y a à la fois des lapins parce que ça va devenir ma source de nourriture principale et à la fois des buffalos parce que les buffalos vont me défendre contre les chiens qui vont apparaître au 10e jour. Donc une fois que j'aurai trouvé cet endroit là bien précis, je pourrai m'installer. Qu'est-ce qu'il va falloir que je crée une hache pour abattre des arbres pour avoir un feu pour ce soir. Ça, ce sera fait et je pourrai juste m'occuper d'explorer. Voilà, normalement je vais pouvoir faire, voilà, donc ce soir j'ai mon feu. Donc maintenant il me faut à manger et l'exploration. Alors c'est bien, là je suis contente, j'ai trouvé la zone où il y avait les pierres. Donc maintenant je sais où aller et je pourrai revenir chercher des pierres dès que j'aurai trouvé l'endroit qu'il me faut. Oui, effectivement, Matou, les bœufs, c'est bien pour le caca. Parce que ça permet de faire de l'engrais pour le petit jardin. Mais en sachant que le jardin ne fonctionnera pas une fois l'hiver arrivé. Donc, ici, j'ai la bonne zone, j'ai les lapins. Il me manque que les buffalos, ce serait bien s'il y en avait, sinon on ira un petit peu plus loin. Oh, il y a plein de... Hop, on va récupérer ça. Donc ça, c'est ceux qui sont morts avant moi. Une pelle, du bois. Hop. C'est dommage, il y a plein de lapins, mais a priori, il n'y a pas... Eh ben non. Eh ben non, c'est pas là qu'on va s'installer. Ah, attendez, la zone n'est pas finie. Donc peut-être. Oh, dans une grande zone comme ça, eh bien, mais...
Non, il n'y a pas. On va ramasser ça quand même. Hop. Ah, plastron en bois, c'est bien ça. Si on se fait attaquer. Alors. Hop, tiens, déjà, on va pouvoir faire la couronne de fleurs. Voilà, comme ça, ça va me redonner un petit peu de santé mentale régulièrement. Et ça évitera que je sois dans le rouge. Bon, bah non, ce sera pas, c'est pas la bonne zone. On va ramasser des pousses d'arbres. Tant pis, c'est dommage, il y avait plein de lapins. On aurait pu se faire un bon festin de lapins. Oui, si, alors j'ai, avant de me lancer, j'ai été voir quelques vidéos quand même de... quelques vidéos guides pour se lancer, c'est comme ça que j'ai su voilà, qu'il fallait, dans quelle zone il valait mieux s'installer, etc. Et oui, effectivement, j'ai, de temps en temps, quand je trouve un objet que je connais pas, je vais faire un tour sur ces sites-là et c'est bien, bien utile. Je vous mettrai d'ailleurs, mais dégage de mes baies, toi, je vous mettrai en lien dans la vidéo sur YouTube quelques liens d'autres vidéos et de sur les sites si vous voulez vous lancer dans Don't Starve. Qui sont très utiles au début. Bon. Eh ben, je trouve pas, hein. Mais bon, après, il n'y a pas d'urgence, hein, pour trouver la zone. On a une bonne dizaine... Enfin, voilà, vers 7-8 jours, ce serait bien d'avoir au moins la zone. Donc, parce que les chiens arrivent dans ces alentours-là. Donc il n'y a pas d'urgence non plus, on a de quoi manger, on a pas mal de baies, pas mal de carottes, du matos pour apprivoiser le feu. Hein. Excusez-moi, je ne l'avais pas celui-là. Un trou de verre, ça permet de voyager rapidement d'un côté à l'autre de la carte. Ah, des carottes. Des carottes, encore des carottes. Je crois qu'on est... Ah, des abeilles. Les abeilles, c'est moche. Enfin, celles-là, elles sont inoffensives si on les attaque pas, mais les rouges, là, elles sont vilaines. Alors, on va pas tarder à se poser. La nuit est proche. Je continue un petit peu mon exploration, voir si à tout hasard, je peux pas tomber... Bon, on va se poser. Hop, la nuit arrive, donc on se fait un feu de camp. On va profiter pour se faire à manger. Voilà. Hop, on va se remettre. Ça y est, c'est la nuit. Donc là, c'est simple, hein. Si mon feu s'éteint, je suis morte, hein. Parce que si vous allez dans la zone qui est noire, là, en fait, vous vous faites attaquer par des bestioles, comment dire, pas franchement amicales. Et c'est la mort assurée. On va remettre un petit peu de combustible. Voilà. Donc, bah là, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que la nuit passe pour l'instant. On a bien mangé, notre sang... Alors, malgré la couronne de fleurs, la nuit, la santé mentale diminue. Mais elle diminue moins, du coup, grâce à la couronne. La couronne de fleurs, elle a une durée de vie limitée. Hein. Les fleurs finissent par faner, donc il faut régulièrement en cueillir des nouvelles pour pouvoir se refaire un petit chapeau. Voilà, voilà... On attend la fin de la nuit. Après, une fois qu'on aura notre camp de base, il y aura possibilité de construire une tente et des choses comme ça pour pouvoir passer la nuit plus vite. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et puis surtout, il faut aussi commencer à préparer l'hiver. Parce que quand l'hiver arrivera, les jardiniers... On va construire à un moment donné des petits jardins. Les petits jardins ne produiront plus de fruits. Et la température va baisser. La température qu'on voit là... Et si elle baisse trop, on meurt. Donc il faut commencer à se préparer, à se trouver des... pouvoir fabriquer des vêtements un petit peu chauds. Allez, on est reparti. Est-ce qu'on a de quoi faire un feu cette nuit? Oui, c'est bon. Donc on s'occupe que de la nourriture et de l'exploration. Oui, effectivement.
les nuits, il fait noir, et du coup, on a peur, et du coup, on meurt. Cueillir pousse. Graine. On va essayer de se trouver ce fameux endroit. On va ramasser quelques fleurs. Hop. Alors surtout au début, hein, quand vous avez rien, pas d'armure, rien, on n'attaque rien. Tout ce qui est neutre, on le laisse neutre. Hein. Surtout vous amusez pas à attaquer une bestiole parce que vous allez mourir. Donc c'est pas la peine. Alors on continue. On va finir par trouver la zone qui nous intéresse quand même. Des graines, ce sera bien pour planter, puis au cas où ça se mange, hein, donc ça rapporte pas beaucoup au niveau de la faim, mais quand on est désespéré, on mange ce qu'on trouve. On va ramasser encore des fleurs. Alors, petit. Des lapins. Donc après, quand l'hiver sera là, les lapins, c'est une bonne source de nourriture parce que les lapins, tant qu'ils sont vivants, en fait, ne périment pas. Donc vous pouvez garder tous les lapins que vous réussissez à attraper dans un coffre, du coup, sans qu'ils périssent, mais vous pouvez les garder tout l'hiver. Donc c'est bien d'arriver à trouver la zone rapidement et de se faire un stock de lapins. Ça, vous n'avez plus jamais faim. Ah, ça c'est bien. Parce que du coup, en ramassant ça, il y a un petit coffre sur pattes, voilà, Chester, qui va venir me suivre. Et Chester, on peut lui mettre des choses dedans. Alors moi, j'aime bien le laisser sur mon camp de base quand je l'aurai, parce que j'ai toujours peur qu'il se fasse la malle avec mes affaires à l'intérieur. Donc, je joue la prudence et je laisse Chester au camp avec mes affaires. Ah, là il y a quelque chose, comment on l'atteint? C'est peut-être la zone qu'on cherche. Mais c'est pas par là que je vais y arriver, je crois pas. On va essayer par en haut. Il y a des lapins déjà. Est-ce qu'il y a des buffalo? Je ne sais. Ouais, c'est par là-haut. Hop, les Chester. Alors, ce serait bien. Bon, déjà, on va aller ramasser tout ça. Allez. Oh, j'ai peur que non, on ne soit pas sur une bonne zone. Alors, les araignées, on va éviter. Hein. C'est pas le moment. Il y a plein de lapins, ça c'est positif. Hop, on va ramasser tout ça. Qui dit lapin dit... Ah, et ben là voilà ma zone. Donc là il n'y en a que deux. On va essayer de trouver un endroit où il y en a plus. Mais sinon au pire on pourra se poser là. Ah ben voilà, il y a des copains. Écoutez les gars. Ah oui, je peux pas le prendre. Ok, on prendra après. Bah écoutez les gars, je pense qu'on va se poser là. On va essayer de se trouver une zone avec plein de lapins. Et puis, on sait qu'on a les buffalo pas loin. Ah bah là, il y a plein de lapins, dis donc. Et bah voilà, j'ai décidé que mon camp serait là. Comme ça, je sais que j'ai les buffalo juste là. Pour venir m'aider en cas d'attaque. Voilà, on va pas se mettre trop près d'eux parce que quand ils sont en période de reproduction, en période de chaleur, ils deviennent agressifs. Là, vous voyez, ils sont neutres, mais
Bon, allez, on va se mettre là. Je pense qu'on est assez loin d'eux, juste à côté de la route. Parce que quand vous marchez sur la route, vous avancez plus vite. Donc, c'est bien d'être à côté d'une route pour regagner rapidement son camp. Donc, ah oui, on n'a pas de pierre. Bon, bah, pour ce soir, on mettra un feu de camp basique. Et demain, on retournera chercher des pierres dans la zone qu'on a traversée. J'espère qu'elle n'est pas trop loin de notre camp de base. On va vérifier ça. Elle est quand même... une petite trotte quand même, mais on ira demain. Du coup, demain, on ira farmer quelques pierres pour pouvoir revenir ici et les poser sur le camp, faire la machine. Parce que du coup, là, il y a une machine scientifique à construire qui ouvre d'autres recettes à pouvoir apprendre qui sont nécessaires forcément pour la survie. Donc, on va se poser là en attendant. Est-ce que je peux faire des pièges déjà? Ouais. Je vais installer des pièges au-dessus des trous à lapins. Comme ça. Ah, peut-être des lapins. Voilà. Installer un piège. Bon, je peux en faire que deux. Ce sera déjà pas mal pour l'instant. Allez. Hop, on va se faire à manger. Voilà, donc moi je laisse l'œil ici, comme ça Chester reste dans le coin. Alors, on va manger des carottes hein, pour pas changer. Hop. Ah, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. On va manger des baies. Hop. Et donc on va attendre voilà, que la nuit passe. Donc demain l'objectif c'est d'aller chercher des pierres pour pouvoir, parce que là c'est un feu qui est temporaire, qui disparaît quand il s'éteint, alors qu'avec les pierres on va pouvoir créer un feu qui va rester là tout le temps, qu'il faudra juste approvisionner avec des morceaux de bois, des choses comme ça. Voilà, faut que j'aille chercher aussi la sarbacane que j'ai vue, parce que ça peut être utile pour tuer des bestioles à distance. Alors, puisqu'il y a bien dans ce jeu, c'est que vous pouvez poser vos équipements et tout ça par terre et vous les récupérez après. Enfin, personne ne va vous les prendre, ils ne vont pas disparaître. Donc, c'est assez pratique. Donc, après, je pourrais construire un coffre. Mais en attendant, je peux déjà déposer des choses. Alors... Les nuits peuvent être longues, hein. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est rester près du feu puisqu'on a déjà mangé. Hop, il fait jour. Allez, on va chercher nos pierres. Oh, il y a plein de choses. Alors, une lance, c'est bien. Ah, un chapeau de buffalo. Ça, c'est bien parce que, je vous l'ai dit, à un moment donné, ils sont en chaleur et quand elles sont en période de reproduction, comme ça, si vous mettez ce casque, en fait... Ils pensent que vous êtes un des leurs, donc ils vous chargent pas. Donc, c'est pas mal à avoir. Ah, du coup, j'ai ramassé tout ce qui passait. J'ai déjà plus de place dans mes sacs. Ah, ça commence bien. Hop, on va aller redéposer tout ça dans mon camp. Hop. La pelle, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça non plus. Les bouses non plus. Et ça non plus. Voilà, on reviendra après. Allez, on y va vite. On a déjà perdu pas mal de temps. On pourra ramasser d'autres bouses aussi. Ah ouais, il y a plein de buffalo. Donc après, si j'arrive à choper une corne aussi, je pourrais tous les rassembler au même endroit. Ça sera plus simple. J'ai à manger pour ce soir. Oui, c'est bon. Se concentrer sur les pierres. Voilà. Hop, équipé. Allez, hop. On reste sur le chemin, on gagne du temps, on avance plus vite. Ouais, et plein de lapins, c'était bien. Et
Et on va aller chercher des pierres et de l'or. Voilà. C'est bien les zones comme ça où il y a plein de mines. C'est pas forcément très rare, mais au moins quand vous en avez une, vous savez que vous pouvez revenir chaque fois que vous avez besoin. On va en profiter, on va vraiment faire du farm. Comme ça, on va pouvoir rentrer après et faire notre feu qui lui ne disparaîtra pas. Fait bien nos stocks. Bon, on va pas refaire une pioche tout de suite. On va repartir tranquillement, ramasser des choses en route. Faut peut-être ramasser aussi un petit peu de bois parce que on va commencer à se faire notre petite forêt perso aussi. Que du coup il y a moyen de replanter des pommes de pin pour faire pousser des arbres et c'est bien de se faire une petite forêt à côté parce que comme ça ça permet de pas aller à l'autre bout du monde et d'avoir plein d'arbres. Ah oui, ce que je vais avoir besoin aussi parce que je voudrais faire une créer une mijoteuse pour pouvoir faire cuire tout ce qu'il y a à faire cuire. Du coup il faut que je foute le feu un peu à quelques arbres pour récupérer du charbon. On verra ça demain. J'ai peur de pas avoir le temps. Puis le feu c'est pareil, hein. Le feu ça brûle et donc ça tue, n'est-ce pas? Donc on va éviter de mourir bêtement. On va aller voir, peut-être on a eu des lapins dans nos pièges. Hop, un chemin va aller plus vite. Tac, tac, tac. Hop. Et... Ah oui, non, faut pas. C'est vrai qu'il y a de l'eau. On peut pas traverser par là. Allez, on y va. On va ramasser quelques bouses parce que ça. Ça se périme pas, vous voyez, vous pouvez passer à côté, ils nous disent rien. Et on peut même tondre leur fourrure avec un rasoir sans les tuer pour pouvoir se faire des vêtements un peu plus chauds pour l'hiver qui arrive parce que winter is coming, c'est bien connu, y compris dans Don't Starve. Voilà, tout ça, ça va être les animaux qui vont m'aider à survivre et surtout à me protéger des chiens. Voilà, donc on va se faire notre petit feu. Ah, vous voyez, il y a plein. On va se mettre là. Il y a des lapins dans mes pièges. Hop, installer piège. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais d'accord. Ils se sont mis où mes lapins? Ah, ils sont là. Ok. Hop, on va construire tout de suite la machine scientifique qui va nous ouvrir la voie à plein de recettes. Pourquoi tu veux pas? Il n'y a plus de bois? Bah, et où mon bois? Ah bah j'ai plus de bois. Bon bah je construirai la maison demain. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, on va aller se faire à manger toujours. On va poser les pommes de pin dans Chester, tiens.
les graines d'Anchester aussi, on n'en a pas besoin tout de suite. Ça, les baies, pareil, on va en avoir. On fera des... La salpêtre, j'ai pas vécu assez longtemps pour savoir à quoi ça sert. Et le chapeau de buffalo, ce sera pas pour tout de suite. Donc ensuite, on va tuer un lapin. Voilà. Et on va pas le manger comme ça, on va le faire cuire. Voilà. On va tuer l'autre lapin parce que le premier est pas assez nourrissant. Voilà. Attendez, il faut que je remette un petit peu de feu là. Sinon. Hop. Et on va reprendre quelques baies. Hop. Donc maintenant qu'on a... Alors attendez, parce que du coup je lis pas le chat en même temps que je joue, je me fais un petit... Ah, j'ai cliqué, hein. Ah oui. Ah oui, il faut faire gaffe de pas attaquer les buffalo par erreur parce qu'ils sont un peu violents. Ouais, où est donc Jean-Neige? Bah visiblement il est pas là, Jean-Neige, hein. Bon, allez, on va couper des arbres. Où est-ce qu'il y a des arbres? C'est bon, mes pièges sont installés. J'aurai mes lapins pour ce soir. Alors moi, les pingouins n'étaient pas agressifs. Hein. La dernière fois que je les ai croisés, j'étais au milieu d'eux, ils m'ont pas attaqué. Alors je sais pas ce que t'as fait aux pingouins, mais moi, ils m'ont laissé tranquille. Allez, on va choper des arbres. J'ai cru que c'était un arbre. Non, c'est une bestiole. Ah putain. Oh, ça va, il va doucement, mais... Alors je sais pas si je peux le tuer facilement, mais clairement j'ai pas envie. Donc je me barre. Tant pis, je vais trouver des arbres ailleurs, c'est pas grave. Ah merde. Voilà, c'est pour ça que je meurs toujours dans ce jeu, parce que je fais que des conneries. Donc les araignées, ça je sais, il faut pas attaquer. Pas des arbres, là. Bah non, il y a que la mer. Bon mince. Je veux pas retourner là-bas. Il a l'air méchant. Ah oui, c'est... Oui, effectivement, je confirme, c'est courage fuyons, quoi. Il y a un peu de terre par là-bas, ou c'est que de la mer, quoi. Allez. Bouse. Bonjour, je cherche des arbres. Des vrais, pas des qui marchent en me courant après. Putain, il n'y a pas d'arbres. Alors les abeilles, je me méfie. Parce que les rouges, elles sont mauvaises aussi. Ah, il y a des arbres. Alors ça, sous ce rocher, là, il y a une espèce de caverne. J'ai pas encore bien compris le but. Et puis surtout, j'ai peur de me faire tuer. Ce jeu rend parano. Voilà. Il faudrait que je fasse cramer quelques arbres quand même, les gars. On verra après. Pour l'instant, j'ai besoin de bois. En fait, dans ce jeu, le souci, c'est que chaque erreur est fatale. Donc, oulala, non ? Non, non, c'est bon, je m'en vais. Oh là là, elles sont susceptibles, les araignées, c'est... Bon, alors, on va essayer de foutre le feu à la forêt, sans mourir brûlé. Voilà, ta sauce... Et une fois que ça aura brûlé, on va récupérer. Peut-être même on va pouvoir foutre le feu aux araignées. Avec un peu de chance. Non, même pas. Ah non, je veux pas du champignon. Allez, on y va.
Alors ça, ce sera après pour faire une mijoteuse, c'est-à-dire une espèce de gamelle. Parce qu'avec cette gamelle, en fait, on peut faire cuire des lapins. Et du coup, c'est beaucoup plus nourrissant que le lapin cuit comme ça. On va pas tarder à retourner au camp. Hop. Bon ben, on a assez de charbon de bois. Les cochons là qu'on voit sur la droite, en fait, pour l'instant, ils nous attaquent pas. Moi, j'ai plus de hache. Et après, on leur donnera à manger pour qu'ils viennent nous défendre, en fait. Enfin, un élevage de cochons. Allez, on rentre à la maison. Tranquillou. Surtout, surtout, on clique pas sur les abeilles. Qu'elles pensent pas qu'on veut les attaquer. Allez, 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 allez. Coucou les buffalos. Alors, on ramasse les bouses. Et on va tranquillement dans notre camp. Voilà. Et on va créer maintenant la machine. Alors, hop, la machine de science. Voilà. Et avec ça, donc il va nous falloir de l'herbe pour faire un petit jardinet. Et la mijoteuse, il va nous falloir des pierres, donc je crois qu'on les a. Voilà. Donc on va faire tout de suite la mijoteuse. Est-ce qu'on a des lapins ? Ouais. Nickel. Donc je vais fabriquer aussi demain plus de pièges à lapins, comme ça j'en installerai plus. Je vais voir si je peux choper de l'herbe coupée pour faire tout de suite un petit jardin. Alors la nuit va pas tarder à tomber, on va se dépêcher. Allez, vite, on retourne près du feu. Vite, 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 vite. On va mettre une pomme de pain. Allez, voilà. C'est bon, on est sauvés. Alors, ensuite. Il est où, Chester? Chester. On va mettre ça là. Oula. Attendez. Hop. Ah. On a eu chaud. Hop. Donc on ouvre la mijoteuse, on met notre lapin, on met 3 baies ou 3 n'importe quoi, et on est parti pour se faire à manger. Du coup, est-ce que je peux faire un petit jardin? Non, j'ai pas assez d'herbes coupées, et c'est pas maintenant que je vais aller en chercher, je vous le dis tout de suite. Voilà, et là du coup on récupère 62 et c'est le bon moment parce que ma vie était quand même hyper basse. Hop, on va manger la baie. Voyez. Et on va se faire un petit lapin encore une fois. Il est où mon lapin? Il est là mon lapin. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Putain, je crois qu'il y a le machin vert là qui revient. Oh putain. Oh punaise. Est-ce que je peux le tuer, vous croyez? Oh là là. Putain, oui. Vous croyez que je peux le tuer? Je sais pas. Alors par là-bas, il y avait une sarbacane. Allez chercher la sarbacane. Ah ouais, je vais le défoncer à la sarbacane, moi. Fléchette anesthésiant. Tu vas voir. Attaqué. Ah, il est pas mort. Bon, ça marche pas ce truc. Écoutez, on va essayer de le tuer. Donc c'est peut-être la fin de ma vie. Hein? Hop. Ah. Bon, ça va, il tape pas fort.
Oui, j'ai une technique pour les tuer un peu lâche. Hein, je tape et je cours. Non. Bon, il faut que je le tape combien de fois? Ouh là là. J'ai peur. Ah, pour l'instant, je prends pas de coups, alors. Je sais, je l'ai pas tapé. Je vais pas y passer la journée non plus. Tu veux pas mourir? Je sais même pas si ça se trouve, je lui inflige rien du tout comme dégâts. Perdu une journée à tuer un arbre. T'es chiant, hein. Je peux pas te foutre le feu. Remarquez, c'est un... Peut-être lui foutre le feu. Non, ça marche pas. Elle est où ma lance? Reviens à ta lance. Allez. Là, 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 là. Bon, tu veux pas mourir? Là, j'ai un lapin. J'aurais rien fait de la journée, quoi. Bon. Le problème, c'est que s'il est encore là ce soir, comment dire? Dans le noir, je peux pas trop bouger, quoi. Ils disent les yeux. T'as vu des yeux, toi, là-dessus? C'est là que je vais commencer à mourir. Bon. Allez. Bon, je crois qu'il veut pas mourir. Ah, il est mort. Ouh. Youhou. Eh ben, dis donc, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Hein. Ouh. Vous sentez le soulagement dans ma voix? C'est le problème de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de l'herbe, tiens, pour faire un petit jardin. Qu'est-ce que tu dis? Tu as une armure en bois près de Chester. Ouais, c'est pas faux. J'avais pas le temps, j'avais trop peur. On va ramasser quelques bouses. Encore de l'herbe, du coup on n'a pas le temps, on a passé une bonne partie de la journée à tuer ce machin. Alors c'est bien, c'est qu'il y a une araignée, donc quand les buffalo seront en route, je les amènerai près de l'araignée, comme ça ils iront se battre avec l'araignée, et soit j'aurai de la viande de buffalo, soit j'aurai des glandes de venin de l'araignée, donc c'est très bien, c'est très bien. Hop, on va ramasser un maximum d'herbes. Parce que à la limite, si je peux faire deux petits jardinets, c'est pas mal. Eh oui, je t'ai entendu, l'araignée, je t'ai entendu. Hop, des bouses. Non, le champignon, je n'en veux point. Ah oui, j'avais ça à manger en fait. C'est l'autre, il m'a perturbé. Allez, on va essayer de faire les jardinets. Voilà. Alors, il va me manquer... Ah, du bois, donc j'en aurai pas. Et donc dans le jardinet, Chester, où es-tu mon petit? On va récupérer les graines. Et on va mettre les graines dans le jardin, planter. Quelle heure il est? C'est bon, des bouses. Et donc on va fertiliser avec les bouses. Il faut 4 bouses pour fertiliser entièrement un jardin. Hop, on va le poser là à côté du feu. J'ai plus de place.
on fasse les baies, sinon elles vont périmer. Hop. Voilà. Voilà, le maïs, c'est bien. Et ce sera tout pour aujourd'hui, ça sert à rien de prendre trop de nourriture qui va périmer. Hop. Chester. Voilà, demain on plantera un peu les pommes de pin. On va se faire... Ah oui, mais du coup j'ai pas de lapin. Il y a des lapins? Non, j'ai pas eu de lapin aujourd'hui. Si, j'ai ramassé... Ah si, j'ai deux lapins, mais c'est très bien. Donc on va garder les lapins pour l'instant, puisque les lapins ça ne se périme pas. On va faire un petit feu. Est-ce que les bûches vivantes ça sert à quoi? Est-ce que ça ajoute du... Ah ouais, ça... Ah, ça aime pas ça, mais... on va faire quand même un lapin avec des baies, parce que sinon, j'ai peur que mes baies périment demain. Ce serait quand même dommage. De toute façon, j'ai besoin de vie. Hop, hop, hop. Ça, on va manger comme ça, cuisiner. À faire des boulettes. Des petites boulettes. Hop. Allez, quand tu veux. Et manger. Voilà. Donc, bah écoutez, on va laisser passer la nuit. Et puis, on va arrêter là pour cette première vidéo sur Don't Starve. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'essayer. Moi, j'aime beaucoup. Je vous cache pas que c'est assez frustrant comme jeu, parce que régulièrement, on meurt quand même. Et puis, dans ce jeu, bah, contrairement au jeu auquel on a l'habitude, eh ben, on n'a pas le droit à une seconde chance. Quand on meurt, on meurt. Il faut tout recommencer. Donc, quand ça fait 2 jours que vous survivez, c'est pas très grave. Quand ça fait 20, 30, 40 jours, c'est un petit peu énervant. Donc, et ben voilà. Hop, le jour est revenu. Et nous, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, voilà, je vous dis à tous à bientôt et puis on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao !